Mais j'ai pas de contrôle judiciaire, je suis plus sous contrôle judiciaire depuis juin 2017. C'est la justice fait pas son travail en enlevant les contrôles judiciaires, moi j'ai plus rien, moi vous apparaissez toujours. Oui, enfin, j'ai un boarding dans 20 minutes, je veux pas rater mon avion à cause de ça. Hein. Vous inquiétez pas, okay. C'est pour ça que je suis là pour vérifier tout ça. Super. Quoi. Vous partez où? Je vais à Rome. Via Munich ou Amsterdam? Via Munich. Je sors pas de l'Union Européenne, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais de toute façon, si de toute façon même si je sortais de l'Union Européenne, il n'y aurait pas de problème. Et mon contrôle judiciaire n'avait pas d'interdiction de sortie du territoire, donc je comprends même pas pourquoi c'est je. Ce qu'on va vérifier. On m'embête en fait. Ah ben. On va voir ce qui est stipulé. N'inquiétez pas. Vous m'avez dit depuis 2017, il n'y a plus rien? Ouais, 2017. Le procès a eu lieu, le jugement a été rendu, le contrôle judiciaire est terminé. Il n'y a pas de problème. Hein. Et on va pouvoir partir en vacances 4 jours tranquillement. Quoi. Et bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a du FPR, on a de la sûreté de l'État, on a tout ce que vous voulez, ça, tout ça, tout, il y a tout qui clignote. Boulogne sur la mer. C'était à Boulogne dans le Nord. C'était à Calais, ouais. Ouais. Ah là là, nous passerons dans des lieux déterminés, ok. Nous passerons dans le Pas-de-Calais. Ah, vous n'avez pas le droit de nous rendre dans le Pas-de-Calais. J'ai pas le droit de nous rendre dans le Pas-de-Calais. Bah, mais c'est un truc. Mais c'est la fiche de 2016. Hein. Mais attendez, le procès. 27-10-2019, la fin de validité, il vous reste 2 mois. 27-10-2019 parce que je vous. Bah, 27-10-2019, techniquement, c'est 3 ans après la fin du procès qui a arrêté mon contrôle judiciaire. Et j'ai pas été condamné à être dans le territoire. Non. Juste dans le Pas-de-Calais. Ouais. Dans le département, a priori. Ouais. Et vous avez été interpellé en 2018 par les CRS. À Calais. À Calais. Et ils m'ont relâché immédiatement. C'est libre qui confirme que le contrôle judiciaire a été levé le 21-6-2017. La fiche FPR est donc caduque, mais la fiche. Je ne vous raconte pas de bêtises. Alors, attendez, c'est pas fini. Ah, pff, certains lieux ne pas se rendre à Paris tous les samedis et 1er mai 2019. Alors, ça aussi, c'est fini. Hein. Bah, 1er mai 2019. Ah oui, non, mais ça a été cassé. Ça a été cassé. TGI Paris nul, à cause de l'unité, je pense. Bon, depuis, c'est bon. Mais c'est bien qu'il. Alors, il laisse tout, quoi. Il laisse tout, au moins, comme ça, vous savez. Ah, et j'ai quand même une note de recherche. Vous avez fait le prélèvement FNAEG? Non, ça, je suis pas obligé de le faire. J'ai pas été condamné à le faire. Donc, j'ai été condamné à un délit, à une amende, même pas un délit. Et je ne suis pas obligé de faire le FNAEG. Par contre, il y a l'inscription. FNAEG, bon, moi, j'ai pas besoin d'être avec ça. De toute façon, ah, pas. Ça n'a rien à voir avec vous. Non, mais moi je vous dis, faites. Vous avez un avocat, je pense. Ah, j'en ai plusieurs. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est par rapport à ça, si effectivement il n'y a pas l'inscription FNAEG, vous pouvez aviser votre avocat en disant que la fiche est toujours active concernant le prélèvement FNAEG. Il y a une note de recherche, rechercher ou vérifier le domicile, la résidence de l'intéressé, ne pas appréhender, l'inviter à se présenter au service. Donc moi, je vous invite à vous présenter au service pour un prélèvement FNAEG. Ah oui, mais ils m'ont envoyé la lettre 3 fois en 2016 et ils ont laissé tomber. En fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de. J'ai pas d'obligation légale de le faire, en fait. Donc, voilà. J'ai été condamné à une amende, en fait, à Calais. Hein. C'est par un délit, donc il n'y a pas d'obligation d'inscription. Oui, non, mais l'infraction est un délit quand même. Vous avez été condamné qu'à une amende. À une amende. Oui, mais d'accord, mais l'infraction que vous avez commise, je ne sais pas laquelle c'est, l'infraction était un délit. Mais elle n'est pas suffisante pour avoir une obligation d'inscription. D'accord, ok. Ok, ça marche. Moi j'ai une amende de 500 euros, hein, c'est un truc ridicule. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Écoutez, je fais juste une copie de votre passeport. Et ça me le bonheur. Donc, vous partez. Je vais à Rome. Munich. Rome. Vous rentrez quand? Vendredi. Pareil, même schéma de retour. Oui, je crois. Oui. Retour vendredi. C'est des vacances. Rome. Et vous habitez où? À Saint-Paul. Je vais une adresse à Rennes. J'ai fait mon passeport parce que c'est là où j'ai fait mes études.
D'accord. Ok. Bon, bah ok, je suis juste une copie. Ah, je vous laisse prendre. Je vous rappelle, mon c'est bien l'avocat qui appelle. Mon avocat s'inquiète déjà. Là, vous pouvez répondre hein, si vous voulez. Non, non, non. Ok. Si l'administration mettait ses fiches à jour aussi rapidement, ah bah, quand on est inscrit que quand on est désinscrit. La dernière fois, j'ai eu un Estonien qui a un arrêté préfectoral d'expulsion depuis 2006. Ah, ça fait plus de 10 ans, toi. Voilà, et la fiche est toujours dedans. D'accord. Okay. Ouais, non, mais là, bon, c'est qui ont été cassés en cours, quoi. Genre, bon, c'est fini, c'est réglé, quoi. Le juge l'a dit, c'est bon. Ouais. Donc, parce que, en fait, vous avez JLD Paris, TGI Paris. Ah, vous avez tout, vous avez Rennes, Paris, Calais. Ok. Non, je vous rends l'original. Je ne suis que journaliste. Hein. Ah, vous êtes journaliste, c'est tout. Hein. On filme toujours. Mais c'est compliqué. Oui, bah, ça devient compliqué d'être policier aussi, monsieur. Et puis, bah ouais, regardez, si vous voulez voir, vous pouvez prévenir. Et donc, ce qui est encore actif, c'est juste l'interdiction du. Ils sont encore la CJ de 2016. Donc le contrôle judiciaire, la CJ de 2016. Putain, ça a été rappelé à un juge il n'y a même pas deux mois, quoi. Un truc du JLD, là, je crois, les suites à votre interpel à Paris, quoi. Ouais, bah, je vais prévenir mon avocat. Voilà. Bah, merci des infos. Et le prélèvement FNAE aussi. Ok, d'accord. Merci.